tout le monde, c'est Nat. Bon, je pense que vous avez remarqué, hein, c'est pas la peine que je dise salut tout le monde, c'est Nat. Vous savez que c'est moi. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Depuis que je suis rentrée donc, de Paris, tout va bien. Ouais, tout va bien. Et j'ai fait quelques petits achats et il y avait donc sur Instagram. J'avais mis une photo donc des rouges à lèvres Kylie Jenner, donc j'avais reçu, j'ai sur justement la photo d'Instagram, je vous avais dit j'allais vous parler de ces rouges à lèvres que j'ai reçu et vous dire comment voilà comment je les ai reçus comment ça se passe et comment ils tiennent bien, comment ils sont, s'ils sont agréables ou pas. Donc, je les avais reçus donc par le site, parce que faut pas que je me trompe de nom, parce que comme vous savez, je me trompe souvent de nom, donc je me trompe, ou enfin bref. Donc, je les avais reçus, et donc quand je les ai reçus, c'était donc par Relais Shop USA, comme vous le savez, c'est là que je commande, et j'ai pour l'instant pas eu de soucis au niveau de ma commande, donc tout s'est bien passé. Et donc j'avais donc mis cette photo là, j'espère que vous la voyez correctement, voilà, donc les deux rouges à lèvres que j'ai reçus, et donc je les ai donc testés bien sûr, et donc je vais vous les montrer tout de suite quand même. Donc je commence donc je vais enlever le rouge à lèvres que j'ai, parce que aujourd'hui je portais un petit rouge à lèvres genre violet quoi, voilà, de Sian, donc de Lidl, voilà, et vu que j'aime bien changer mes rouges à lèvres, donc là je vais le tester devant vous, voilà, je me démaquille super bien, voilà, il n'y a plus de rouge, et je vais donc essayer le rouge à lèvres. Donc là j'ai pris, alors je sais pas si c'est ça, c'est trop, j'espère que je le dis bien, Trueborn. Voilà, j'espère que je le dis correctement. Donc pour moi c'est le marron, donc de Kylie Jenner. Dedans vous retrouvez donc les crayons, hein, il y a un crayon pour le contour de vos lèvres et puis le rouge à lèvres qui est là. Donc moi j'ai pris celui-ci qui est donc en marron. Donc je vais essayer de vous faire un petit contour à peu près correct et rapidement. Effectivement, je suis pas très forte hein, au niveau des contours. Voilà. Et après ça, je vais donc poser le rouge à lèvres. Logique, normal, tranquille. Donc. Et je trouve que très belle tenue et une jolie couleur. Voilà. J'espère que je l'ai bien mis parce que là je vois pas grand chose. Quoi. J'ai un retour mais. Là je ne filme. Je filme pas avec mon appareil. Je suis plutôt avec la tablette. J'espère que vous le voyez correctement, donc voilà. Et je trouve que ça a une couleur, mais un truc de malade. J'espère que vous voyez bien. Alors attendez. Hop. Et ça a une tenue de malade. Celui-ci donc c'est le marron donc de Kylie Jenner, voilà, donc je voulais vous le présenter parce que je me suis dit et je me connais, donc un jour voilà quoi, je vais dire ouais je vous le présente et puis donc un jour ben, le rouge à lèvres je l'aurais toujours pas mis, vous allez toujours pas voir le rouge à lèvres, donc voilà, je voulais vous le montrer comme ça, faire une vidéo toute simple,
D'accord, j'espère que vous voyez correctement. Parce que... Voilà, tac, marron. Et je trouve que ça... C'est une jolie tenue, c'est agréable. C'est... Oh, moi, je l'adore. Donc, voilà. Donc, le premier rouge à lèvres donc, que j'ai donc reçu. Et donc, le deuxième qui est... Alors, donc, je vais enlever celui-ci. Hein. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc on va l'enlever, tranquille. Voilà. Donc moi j'utilise ceci, hein, Mixa, voilà, que j'ai toujours pas, comment dire, fini. Parce que j'en avais acheté un deuxième. Donc, et donc c'est ceci que je prends pour me démaquiller avec juste du coton. Voilà. Comme ça, ça irrite pas trop mes lèvres. Bon, après, j'ai le visage où il y a un peu d'huile, donc c'est un peu chiant. Mais bon, au moins comme ça, je suis démaquillée. Et donc, le deuxième, c'est celui-ci. Donc, c'est le Mary Joke. Alors, j'espère que je le dis bien toujours. J'espère que c'est pas l'envers. Je le vois à l'envers. Je sais pas, non, c'est comme ceci. Voilà. Donc, c'est un rouge, comme vous. Et là, pareil, je suis pas déçue. Je suis super contente. C'est un genre de... Ouais, c'est rouge. Bordeaux, rouge, orangé. Je sais pas comment vous voyez ça. Yes! Je l'ai récupéré. Parce que... D'habitude, je fais tout tomber. Et là... J'ai donc réussi à le récupérer et donc le rouge à lèvres est comme ceci, les filles. Voilà, il est comment dire, me revoilà. Je me suis démaquillée, j'ai pris une petite douche parce que c'était plus possible. Donc, comme vous voyez, je suis démaquillée et donc je continue de vous parler de deux produits. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc le Kelliginer, donc c'est le Mary Joke. Et oui, et comme par hasard, j'ai mon chien qui me fait du bruit. Dolce, viens ici. Et donc le Kelliginer, le marron. Donc voilà les deux que donc j'ai pris. Et comme je vous disais tout à l'heure, le rouge, ouais, les rouges à lèvres sont super, la tenue est géniale. Et franchement, ça vaut le coup s'il veut bien sortir. Donc voilà. Et donc vraiment ça vaut le coup, ils sont magnifiques, ils ont une tenue super douce, une tenue de folie, enfin moi j'adore, c'est le top complet. Donc voilà, donc je vous les conseille les amis, les copines, donc voilà. Et je voulais vous parler aussi donc le petit Timothée Pur au shampoing que donc j'ai essayé et comme vous voyez il est un petit peu vide. Un petit peu vide, mais pas un petit peu vide, voilà, juste baisser un petit peu, mais bon, ça, on sent, hein. Donc voilà, et donc je l'ai essayé parce que j'ai vu la pub, et je me suis dit, tiens, je vais tester, et il est sans silicone, zéro silicone, zéro paraben, et colorant zéro, 0%, si c'est bien ça, si j'ai bien compris le truc. Donc le shampoing, il est pur. Formule avec de l'extrait de thé vert bio, 100% d'origine naturelle, connu pour ses vertus dynamisantes. Donc, faudra voir si nos cheveux, quoi, mes cheveux de black tiennent le coup. Et puis, je vous en dirai un peu plus. Bah, il faut pas en mettre une tonne non plus. C'est vraiment très peu au niveau de creux de votre main. Et puis vous lavez la tête, moi j'en mets à peu près, on va dire, vous voyez le bouchon, même, voilà. Donc je remplis le bouchon qui est juste là, voilà. Je le remplis à ras-bord et ça me fait pour me laver mes cheveux, quoi, simplement. Hein, on va pas en parler pendant 2 heures. Donc voilà, donc j'ai essayé celui-ci. Et ce que j'ai racheté aussi, alors ce que je viens de découvrir... Donc c'est au niveau du... donc c'est un produit de...
vous savez, j'ai toujours du mal à le dire. Schwarzkopf, donc style ultime, cristal brillance. Donc c'est de la cire top coat. Moi je l'utilise pour mes petits cheveux qui sont juste là. Voilà. Il est agréable. Noisette au niveau de sur votre main, vous en mettez le matin et hop, vous faites votre petite coiffure. Donc je viens de découvrir ça. Bon, il coûte 5 euros et quelques, si je me souviens bien du prix. Et c'est une boîte comme ceci. L'intérieur est comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Voilà, un genre de violet brillant. Et la texture est assez agréable. Voyez. Et donc vous l'étalez comme ceci sur vos cheveux. Et après vous faites votre petite coiffure tranquillou. Voilà, donc moi j'ai pris celui-ci parce que vers chez moi, les salons de coiffure black, on n'en a pas des tonnes. Et j'ai pris cette marque-là. C'est développé avec Claudia Schiffer. Hein, tout le monde se souvient de Claudia Schiffer, je pense. Donc voilà. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer parce que la dernière fois, on était parti avec ma fille en acheter. Donc elle en avait acheté, mais il n'y avait pas grand chose dedans. Et là, je me suis dit, je vais tester celui-là. Donc on verra bien ce que ça donne. Bon, dedans, normalement, effectivement, pour les filles qui sont pas trop aqua, machin, enfin bref, c'est peut-être pas recommandé. Mais bon, moi, c'est juste pour faire les tout petits cheveux et pour faire un petit style. Donc voilà. Donc, je suis tombée là-dessus et je me suis dit, je vais tester et on verra bien. Et ça va quoi, les cheveux sont glamour, sont voilà. Donc bon, pour moi c'est juste large comme je vous ai dit. Voilà, donc il n'y a pas grand chose. Et je me suis pris aussi le label, donc celui-ci je l'ai testé, ils sont super bons. Maracuja citron vert, vous en avez parlé un petit peu, désolé pour moi. Et au smoothie Brésil, au maracuja de citron vert. Et il est top, il sent super bon. Il est vert et des petits morceaux de style de maracuja. Je sais pas si vous allez voir quelque chose là. J'essaie de voir comme ça. Pas grand chose. Je sais pas si vous voyez. Hop. Là, vous voyez des petits morceaux. Et donc, c'est du maracuja. Et voilà. Donc, je voulais vous montrer. Donc, c'est le label. Aussi, alors je vais essuyer parce que il faut essuyer. Donc voilà, il est comme ceci, ils sont super bons, il est top. Donc vous pouvez donc sans problème l'essayer. Et c'est le label, donc ce aussi maracuja. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. J'ai fait donc les soldes, ouais je les ai fait, mais j'ai acheté tellement de choses. Il faudrait que je fasse une autre vidéo, enfin tout ça et tout ça. Enfin je vais pas vous raconter tout ça, je suis pas là pour ça. Donc voilà, c'était les petites choses, les 4 petites choses niveau produit, quoi, 5 petites choses donc, que je voulais vous présenter. Donc c'était Kelly Jenner. Et Kelly, donc Kelly Jenner, le produit pour les cheveux de Claudia Schiffer, donc Schwarzkopf, le Timothée, donc zéro silicone, zéro parabène, quoi, 100% silicone, 100% parabène et colorant, donc thé vert bio, j'espère que c'est bien ça, voilà. Et le petit label que je voulais vous montrer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait les soldes. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Il n'y a pas de problème. Et moi, qu'est-ce que je vous dis? À très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Et c'était Nat. Ciao, ciao. Bisous.